Comment réussir son retour en Afrique? Dans cette vidéo, on va parler justement de retour dans ton pays natal. Quel que soit l'endroit où tu es dans le monde, quelle que soit ton origine, je suis sûr que tu souhaites un jour revenir, lancer de nouveaux projets dans ton pays d'origine afin de pouvoir contribuer à l'économie, afin de pouvoir aider plus de personnes et apporter de la valeur grâce à ton offre, à ton service ou même à tes produits. Si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je t'explique comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier ces dernières années. Alors, comme tu l'as constaté dans cette vidéo, je me retrouve à Kribi, au Cameroun. Donc, je suis rentré avec mon équipe. Aujourd'hui, on est une dizaine avec ma famille, etc. On passe du bon temps pour te produire du contenu sur l'investissement immobilier, le mindset, également le business en ligne. Donc, comment préparer son retour en Afrique? Et moi, c'est un message que j'adresse très particulièrement à la diaspora qui vit en Europe, qui vit en Occident de manière générale. Avant de rentrer ici, il faut que vous soyez déjà à l'aise dans le pays dans lequel vous êtes. Quand je dis à l'aise, c'est dans le sens où vous avez le choix de pouvoir rentrer et repartir comme vous voulez. Parce qu'il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs, qui partent et reviennent en mode défaite et se plaignent. Oui, déjà ils se plaignent de l'autre côté. Oui, la France c'est comme ci. Oui, le Canada c'est comme ça. Oui, les États-Unis c'est comme ci, comme ça. Et quand ils reviennent ici, elles se plaignent encore plus. Oui, le système est corrompu. Oui, les gens sont mal polis. Oui, les gens sont sauvages, etc. À un moment donné, il faut, tu vois, dans le sens où il faut que tu t'adaptes à ton environnement, premièrement. Tout comme moi, je l'ai fait et nos participants l'ont fait. Parmi mes participants, il y a énormément d'immigrants, énormément d'expatriés. Et ça ne nous a pas empêché justement de passer à l'action et de créer des entreprises en investissement immobilier et même dans le domaine du digital. C'est la raison pour laquelle je te fais cette vidéo, c'est que avant de rentrer, il faut que dans le pays dans lequel tu es, tu aies déjà compris le système. Tu aies déjà compris le système et que tu aies mis en place un système qui te permet d'investir en immobilier. Parce que pour moi, l'immobilier, c'est le pilier le plus puissant pour te mettre en sécurité. Même si tu as un appartement de l'autre côté, tu vas être en sécurité au Cameroun. Que ce soit au Cameroun, au Sénégal, n'importe où. Parce que si à un moment donné, ça se passe mal, tu peux retourner là-bas pour revenir plus fort par la suite. Moi, ça me fait de la peine toutes ces personnes qui rentrent en Afrique et qui n'ont même pas posé une brique de l'autre côté, qui n'ont même pas créé un système qui leur permet de générer des revenus passifs de l'autre côté. Moi, j'ai eu affaire à un ami à moi, il y a de cela quelques années. Il avait étudié à Saint-Étienne. Après, il est rentré ici et il travaillait, il avait un petit salaire et en plus, il travaillait dans l'entreprise familiale. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que il se plaignait en disant oui, je gagne pas beaucoup, c'est difficile, etc. Je lui ai dit, mais écoute, est-ce que tu as mis en place déjà des choses en France qui te permettent finalement d'avoir le choix de rentrer ou pas? Il me dit non. Et c'est là qu'il a suivi l'une de mes formations. Il est reparti à Saint-Étienne. Et tu sais ce qu'il a fait? C'est qu'il a tout simplement travaillé chez McDo et à Domino Pizza avec un salaire de 2100 euros. Il a investi en immobilier, il a fait une stratégie de location saisonnière et son immobilier, tous les mois, lui rapporte près de 2500 euros de cash, entre 2000 et 2500 euros de cash. Qu'est-ce qu'il a fait en revenant ici? Il a dit à son oncle, j'ai pas besoin de bosser avec toi parce que je gagne 4 fois plus que ce que tu me donnais avant et aujourd'hui, je vais devenir entrepreneur car j'ai le temps de pouvoir tester les choses. J'ai le choix de pouvoir travailler ou pas dans ce que j'aime finalement. Et finalement, il s'est lancé dans la peinture. Il commence, il est devenu artiste, il fait de la peinture et il vend ses tableaux très cher. On l'a également aidé sur sa stratégie marketing pour faire connaître ses œuvres à un plus grand nombre de personnes ici au Cameroun. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire qu'avant de rentrer, il faut que tu puisses déjà avoir une base solide de l'autre côté. Comme on dit, et ça c'est un message que ma mère m'a dit lorsque je partais au Canada et même en France, hein, elle m'a dit, mon gars, si je t'envoie de l'autre côté, c'est pas pour faire du tourisme.
Donc avant de revenir, je veux que tu aies mis quelque chose de solide en place. Et à l'époque, je ne comprenais pas son message. Aujourd'hui, je le comprends parce que ça voulait dire que il faut que tu puisses rentrer et avoir le choix de. Il faut que tu puisses rentrer et être serein. Et aujourd'hui, c'est exactement ce que je vis, c'est que je me plante ou pas dans les activités que je suis en train de lancer, il n'y a pas mort d'homme. Parce que je ne dépends pas d'un système. J'ai un cash flow qui me permet de tester différentes choses. J'ai eu la chance de constituer une équipe qui m'accompagne tous les jours. Et je ne te cache pas que ça m'a demandé beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Mais aujourd'hui, honnêtement, j'ai le choix. Donc dis-moi ce que tu as pensé. Dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo et dans quelle démarche tu es. Si tu es sur le point de rentrer, si tu comptes rentrer à un moment donné, ou si tu ne comptes pas rentrer et faire entre guillemets fortune dans le pays dans lequel tu te situes, on peut t'accompagner et t'aider à ce niveau-là. Donc voilà, n'oublie pas, notre prochaine masterclass aura le lien juste en dessous et on pourra également échanger par rapport à ça. C'est Florent de Global Investisseur. Je te laisse admirer le paysage. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Peace.